Ouais, je pense que c'est équitable. On n'a pas, on a essayé de mettre un peu de rythme, essayer d'avoir la main sur ce match. Mais bon, là, il y a une équipe assez jeune de notre part et on voit qu'on manque un petit peu d'automatisme, de lien pour pouvoir être un peu plus dominateur. Mais malgré tout, voilà, il y a de bonnes choses. On continue notre préparation tout doucement. On essaie d'appliquer ce qu'on travaille depuis le début de la reprise. Donc voilà, il y a encore pas mal de déchets techniques, mais bon, les matchs amicaux sont là pour ça. On est perfectible, donc voilà, on va continuer de bosser. C'est sûr, ouais, match nul, je pense, justifié. Je pense que après la première mi-temps, la première équipe a su mieux gérer le match. Nous, je pense que voilà, on peut faire mieux, mais bon, ça reste un des premiers matchs de prépa, donc voilà, il va falloir continuer à travailler pour essayer de faire mieux. On est là pour prendre ce qu'on a à prendre, prendre du plaisir. Ben, on donne tout pour gagner sa place. Puis on fait le maximum pour l'équipe. Puis voilà, on voit ce que ça donne. On a fait un bon match. Et il faudra refaire cette prestation samedi. Non, 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 ça tire pas au niveau physique. On est tous bien. Ils essayent de gérer au mieux les temps de jeu. Donc non, non, il n'y a pas de souci particulier à ce soir-là. Ouais, ben déjà avec la chaleur, ça complique tout. Mais après, les coachs, ils font en sorte de faire des séances pour qu'on soit dans de bonnes conditions. Après, tout ce qui est, on va dire, préparation invisible, ou pour la récupération, le sommeil, l'hydratation, ben, c'est là qu'on voit que tout est important, faut rien négliger. Ouais, j'essaye de faire une bonne préparation. J'essaye aussi d'avoir plus de responsabilités. Là, je suis quasiment le plus vieux avec Mauro, et aussi capitaine temporaire le temps que Max revienne. Donc voilà, c'est à moi aussi de montrer l'exemple. Je me sens bien. Voilà, j'essaye d'éviter les blessures pour faire une bonne préparation pour attaquer le championnat du mieux possible. Donc voilà, j'aimerais qu'être un peu plus décisif, mais bon, c'est pas grave aujourd'hui, on va faire sans et on continue la prépa. Ouais, on prend ce qu'on a à prendre, comme on dit, on joue sans relâche, on se fait plaisir et on fait le maximum, simplement. Toujours quelque chose? Ouais, toujours proposer une solution pour mon équipier, donner des solutions, toujours jouer vers l'avant, prendre des risques dans le jeu. Voilà, hein. Enfin, on s'inspire, de toute façon, il y a des exemples qui sont avec nous. Il y a de très bons joueurs, Dosevi, Vainqueur, on prend exemple sur eux, puis voilà.